Nang's Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Sobron. Nous sommes de retour pour une autre vidéo sur des sorciers. Et oui, je vais vous apprendre encore des choses sur les sorciers. Pour me soutenir, laissez beaucoup de j'aime. Laissez beaucoup de j'aime. Partagez mes vidéos aussi à ceux qui s'intéressent. Et vous pouvez me soutenir comme vous pouvez. À la fin de cette vidéo, vous en saurez plus. Donc mes frères et sœurs, apprêtez-vous. Attachez vos ceintures. Parce que parler de ces choses n'est pas facile. Et après avoir entendu cela, vous devez prier parce que ils vont venir vous tenter. Donc si vous savez que vous n'êtes pas prêt à les affronter, regardez la vidéo suivante s'il vous plaît. Vous avez 3 secondes. Parce que la société, ils aiment bien tester les gens. Ils aiment bien défier les gens. Et oui. Bon, de toute façon, mais si vous passez, ils vont venir vers vous quand même. Parce que vous vous dites que, ah, donc vous avez peur de nous. Donc tu as peur de nous. C'est pour ça que déjà là, ils réfléchissent. Ils sont tellement insensés. Bien. Voici ce qui réjouit le cœur des sorciers. Mais frère, ça, savez-vous ce qui réjouit le cœur des sorciers? Le savez-vous? Ha! Qu'est-ce qui réjouit le cœur des sorciers selon vous? Avant de tenter de répondre à cette question, je vais d'abord vous poser une autre question. Dites-moi les frères et sœurs, qu'est-ce qui réjouit le cœur des bonnes personnes? Et les bonnes personnes sont sur la terre ici là. Qu'est-ce qui réjouit leur cœur? Réfléchissez bien. Si vous êtes une bonne personne aussi, écrivez cela en commentaire. Vous avez aussi 3 secondes. 1, 2, 3. Ha! Ceux qui sont de bonnes personnes vont me croire. Cette partie-là, ceux qui sont de bonnes personnes vont me croire. En vérité, ce qui réjouit le cœur de bonnes personnes qui sont sur la terre, c'est de voir les autres heureux. C'est de voir les gens vivre heureux. Quand vous êtes heureux, quand vous êtes content, eux, ils sont en joie. Ils aiment voir les gens bien. Ils aiment voir les gens réussir. Ça, c'est le cœur des bonnes personnes. Ce sont des gens très gentils. Parce que la base de leur fond intérieur, c'est ça. Ils sont tellement bien. Ils veulent voir les gens heureux. Maintenant, les sorciers, c'est le contraire des bonnes personnes. Ce qui rend les sorciers heureux, c'est vraiment le contraire de ce que les bonnes personnes manifestent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si voir les gens heureux, ça fait plaisir aux bonnes personnes. Pour les sorciers, voir les gens malheureux, c'est ce qui va réjouir leur cœur. C'est ce qui va leur faire plaisir. Parce que ces gens-là, ils aiment bien voir les autres souffrir. Les sorciers, hein? Les sorciers. Ils aiment bien voir les gens souffrir. Ils aiment bien voir les gens souffrir. Quand vous souffrez, ils aiment ça. Ils sont tellement en joie que vous-même, vous allez vous dire, mais ah, ça c'est quoi? Comment peut-on réfléchir ainsi?
Parce que vous êtes une bonne personne, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment des gens viennent voir les autres malheureux, souffrir. Même le comble, c'est qu'ils y travaillent pour ça. Ils travaillent pour que les gens soient malheureux. Ils travaillent pour que les gens ne réussissent pas. Ils travaillent pour que les gens soient des esclaves. Ils travaillent pour que les gens souffrent. Ils travaillent pour que les gens continuent de souffrir et de souffrir et de souffrir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ou bien est-ce que vous voyez ça? Ha! Vous pouvez travailler dans une entreprise comme ça. Et puis, pour payer les gens, c'est tout un problème. Alors qu'il y a l'argent, il y a beaucoup d'argent. On fait tourner les gens pendant plus de temps. Alors que l'argent est là. C'est parce que certaines personnes aiment voir les gens souffrir. Surtout les démons sous forme humaine. Ce qu'on appelle les hommes démons. Là même c'est grave. Là même c'est gâté même. Ceux-là, ils sont sans pitié. Ceux-là, ils n'ont pas de sentiments. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Comment vont-ils avoir les sentiments? Les sorciers aussi n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont le Evil Spirit. Le Evil Spirit, l'esprit méchant. Le mauvais esprit là-bas. Celui-là qui est le plus mauvais. C'est ça qui se trouve chez eux. Donc, vous comprenez. Une personne qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas manifester la gentillesse. Ou bien cette personne ne peut pas voir les gens heureux. Parce que la personne n'a pas le Saint-Esprit. Elle va chercher à vous voir heureux comme moi. Comment va-t-elle faire pour vous voir? C'est pas possible. Ça ne sera vraiment pas possible. Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit en soi pour pouvoir voir les gens heureux. Parce que ce qui va faire que vous serez heureux là-même, là, ce qui va réjouir votre cœur, là, c'est parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Donc le fait de voir juste les gens heureux, ça va toucher votre cœur. Mais eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ça va toucher quel cœur. Le cœur est où? Ça allait où? Le cœur est là, tcha là. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais les sorciers, quand ils vont vous voir heureux, malheureux, ils vont venir le matin vers vous, s'approcher de vous, pour commencer à faire semblant comme si ils ont mal, comme si eux aussi sont touchés par votre situation, alors que ce sont eux qui empirent votre situation. C'est comme une femme. Elle a une camarade. Sa camarade, là, elle sort avec son mari. Mais sa camarade a lui fait croire que non, c'est une autre fille qui sort avec son mari. Pourtant, elle, quand son mari la trompe, quand son mari dort dehors, il ne rentre pas à la maison, elle va chez cette dernière-là pour se plaindre, pour se lamenter, pour dire, oh, ma camarade, mon mari a encore dormi dehors. Ma camarade, mon mari a encore dormi dehors. Maintenant, celle avec qui son mari la trompe, là, cette camarade en question, là, qu'elle a la même là, Elle a fait semblant de pleurer même. Oh, ton mari t'est trompé avec quelle fille? Allons la voir, je vais la frapper aussi. Allons la frapper. Allons la frapper. Jean, elle qui est le serpent, veut aller chercher un autre serpent dehors. Le serpent qui cherche le serpent. Et vous allez être dans ça, en train de penser que votre meilleur ami, c'est votre Dieu sur terre, quelqu'un qui vous aide. Alors que la réalité, c'est votre meilleur ami là, qui sort avec votre mari. Et elle vous voit souffrir comme ça, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Elle s'en fout. Parce que elle aime bien voir les gens malheureux. Elle aime bien voir les gens souffrir. En plus, c'est une sorcière. En général, les gens qui aiment voir les gens malheureux sont dans la sorcellerie, ils sont des sorciers. Ils sont des sorciers. Oui.
Oui, on dit souvent qu'il y a des gens, on dit souvent qu'il y a trois types de sorcellerie. On dit qu'il y a des gens qui ont la sorcellerie, mais ils ne sont pas au courant. Il y a d'autres qui ont la sorcellerie, mais qui sont au courant. Il y a d'autres, la sorcellerie, là, c'est de l'huile. Me sonner avec. Ah! Quand vous êtes face à des tels sorciers, vous ne devez pas entretenir des relations avec ces gens-là. C'est parce que ces gens-là, tous les enfants qu'ils mettent au monde, ce sont tous des sorciers. Sinon, si ce n'est la grâce de Dieu. Hein. Ah! Et c'est la réalité. Et c'est à cause de ces gens méchants-là qu'il y a beaucoup de souffrance sur la terre. Qu'il y a beaucoup de souffrance dans un pays, par exemple. Parce que ces gens-là, ils seront tout le temps en train de réfléchir sur comment faire pour mettre des bâtons de leur roue au peuple. Imaginez juste un instant où vous êtes trompé, où vous avez fait l'erreur de mettre au pouvoir un président qui n'aime pas voir les gens heureux. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Aïe, aïe, aïe. Les gens vont souffrir. Le peuple va souffrir. Il va venir à la télévision pour dire, oh, je comprends votre souffrance, je vais vous aider. Vu que vous enfoncez, c'est lui encore qui a venu dire, oh, je comprends votre souffrance, je vais vous aider. Je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. Je vais venir à votre secours, ne vous inquiétez surtout pas. Les méchants. Et que les méchants font sur la terre, c'est grave, hein. C'est vraiment très très grave. Tant que il est au pouvoir, hein, le peuple ne fera que souffrir, se lamenter, même se poser la question, mais pourquoi il souffre tant? Parce que ce président-là va donner l'impression qu'il est là pour les aider, alors que c'est faux, hein. C'est faux. C'est même faux même. Il a même une marionnette. Lui, il est juste même un pion. Un pion que les démons pilotent. N'importe comment. Le matin, les démons le poussent ici. Il va. Demain, les démons le poussent là-bas. Et il va encore. Lui, il va. C'est bon. Il va où on le met? C'est exactement ce qui se passe dans ce monde. Parce que les gens qui sont mauvais là, ce qu'on appelle encore les méchants là, gens des sorciers là, ce sont les gens qui, à la base, hein, ont livré leur esprit à Satan. Hein? Maintenant, n'importe quel démon peut les posséder, peut entrer en eux pour faire toutes sortes de méchancetés, pour avoir n'importe quel comportement mauvais. C'est pourquoi ces gens-là, quand souvent, hein, ils font les bêtises et puis vous les attrapez, la main dans le sac, hein. Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Qu'est-ce qu'ils accusent? C'est comment dire? C'est le diable! C'est le diable, oh, c'est le diable! Et ça, ils commencent à accuser le diable, ils disent, oh, le diable, c'est toi, oh, c'est toi, c'est pas nous! Vous voyez les gens? Vous voyez les gens? Une telle personne qui est à côté de vous, hein, méfiez-vous d'elle. Méfiez-vous d'elle. C'est-à-dire une personne que le diable va à chaque fois utiliser comme ça pour vous faire du mal. Et puis après, vous demander pardon pour dire que oh, c'est le diable, c'est pas moi, c'est le diable. Éloignez-vous de cette personne. Il dit, mais éloignez-vous de cette personne. Parce que cette personne-là peut vous tuer. Et puis elle va dire que c'est le diable. Cette personne-là peut vous tuer. Il dit, bien. Et puis elle va dire que c'est le diable. C'est pas elle. Elle. Cette personne ne se repose jamais de rien. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est le diable. C'est le diable. Sérieusement, c'est le diable. Mais toi, j'étais où? C'est pourquoi on vous dit que sur la terre ici, il faut savoir avec qui on marche. Parce que si vous marchez avec ces gens-là, ils seront en train de vous mettre des bâtons dans les roues et vous voir souffrir. Maintenant, faites semblant après de venir se jouer les pompiers. Vous faites semblant après de venir faire semblant. Vous venez faire semblant comme s'ils veulent maintenant venir vous aider. Alors que ce sont eux qui vous enfoncent. Et ça, ces gens-là, on dit souvent, on dit que ces gens-là, ils allument le feu.
il active et après il vient jouer au pompier. Et après il vient jouer au pompier. Ça là, c'est le jeu préféré. C'est le jeu préféré même. Quand ils voient les gens souffrir, hein, ils aiment bien faire ça. Tiens, la personne qui te fait la personne qui te lance des flèches la nuit là, c'est cette personne de batté, hein, qui vient vers toi pour dire oui, ça va, oh, tu es sûr que ça va bien, tu vas bien, oh, tu n'es pas blessé. Ah, quand il te regarde, il voit que tu es plus mal, hein. Attends, il t'a dit, il connaît un docteur, gars, t'a dit. C'est ça, c'est ce qu'il faut souvent. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que c'est ça. Que c'est la sorcellerie qui est là. Beaucoup de personnes ne savent pas. La sorcellerie, vraiment la méchanceté, a gagné le cœur de beaucoup de personnes sur la terre ici. Oui. D'autres même sont possédés, ils sont là. Vous causez avec des gens qui sont déjà possédés. Le monde est à l'envers. Vous allez aller où? Dans ça là. C'est à cause de cela, hein, que c'est à cause de ce que de ça là que les gens ont vu, hein, ou même que certaines personnes ont vu, hein, que elles ont dit il est préférable de marcher seul que d'être mal accompagné. Ça veut dire quoi? Il est préférable de marcher seul, hein, que de marcher avec quelqu'un qui veut te voir souffrir et qui travaille pour cela. Oui, et qui travaille pour cela sans que tu ne t'en rendes compte. Sans que tu ne t'en rendes compte. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ça va vraiment amener Dieu à vous parler par plusieurs manières. Que ce soit en songe, lui-même va trouver. Mais ayez l'esprit de discernement. Si vous avez des gens qui viennent vous voir souffrir autour de vous, hein, ah non, c'est pas bon. Ce n'est pas vraiment pas bon. Si Dieu vous révèle qui ils sont, tout ça, juste séparez-vous de ces gens-là un moment. Dites-leur seulement, écoutez, voyez, je me sépare de vous pendant un ou deux mois. je veux rester un peu seul, croyez, marcher seul pendant un ou deux mois. Si vous, quand vous avez fait ça, hein, et si vous respectez cela, hein, vous allez voir une différence. Une différence que vous n'avez jamais vu de toute votre vie. De même, votre vie va évoluer, hein. Vous n'allez pas croire. Vous allez vous dire, mais ah, mais ça de quoi? Qui était autour de moi? Mais c'était le diable. Mais qui c'était ses amis? Ses amis, c'était de quel genre d'amis? Aujourd'hui, vous allez le voir. Aujourd'hui, vous allez le voir. Vous allez voir qui est l'homme. Qui sont les gens? C'est pourquoi aussi on nous dit souvent, avoir beaucoup d'amis, c'est avoir beaucoup d'ennemis. Avoir beaucoup d'amis, c'est avoir beaucoup de problèmes. Parce que la majorité des gens sur la terre, là, non, ils ne sont pas ce que vous croyez. Ils ne sont pas ce que vous croyez. Quand on parle de ces gens, eux, ils viennent, c'est quoi, tu as raison même, c'est que tu dis, ouais. Mais après, ils continuent dans la méchanceté. Ils continuent dans la mauvaise chose. Parce que ils ont un mauvais fond. C'est déjà gâté. L'eau qu'ils ne peut plus ramasser. Mais ils sont là quand même. C'est pourquoi on vous dit aussi, regardez aux œuvres des gens. Regardez aux œuvres des gens. Les œuvres, qu'est-ce qu'ils font? Là, vous allez avoir une réponse. La sorcellerie peut être cachée à l'intérieur. La méchanceté peut être cachée à l'intérieur d'une personne. Mais ses œuvres vont la dévoiler. Ses œuvres vont la dénoncer. Ses œuvres vont vous montrer qui est qui. Qui fait quoi? Le monde va terriblement mal. Nous sommes plongés dans les ténèbres totales. Mais on voit le monde. Quoi dit d'autre? Si vous avez des questions, hein,
Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain. Si Dieu nous donne bien évidemment la force. Voilà. À demain pour une autre vidéo sur les sorciers aussi. Oui. Parce que ces gens-là s'intéressent à vous et ce que vous faites. Comme ils s'intéressent à vous et ce que vous faites, moi, chaque jour, hein, je vais vous révéler les secrets ici. Pour que vous aussi, vous soyez prudents et que vous ne puissiez pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Soyez prêts. Restez très vigilants. Surtout, priez avant de dormir. Dites seulement à Dieu, Seigneur, montre-moi qui sont mes ennemis cachés autour de moi. Amen. Fais cette prière avant de dormir. Et tout ce que Dieu va te montrer en songe, et tout ce que tu vas voir même le matin, demain, ha! Ne néglige jamais cela. Ne néglige jamais cela. C'est ainsi. Ha! Waouh, c'est extraordinaire! Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à activer la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, dans la description se trouvent toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire les dons via YouTube Super Things. Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo et vous suivez les instructions. Merci à toutes les personnes pour nous soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre bonne. Soyez prêts!